Alors bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Vision Mobile. Je me présente, moi c'est Ray Loïc, réalisateur de vidéos avec téléphone. Ok, cher ami, ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo, de film que je fais chaque dimanche. Voilà, parce que j'étais en déplacement. J'étais à Dabou et je suis allé faire un clip vidéo. Voilà, j'aime beaucoup les films et je mise pas trop sur les clips, mais j'ai été contraint de faire un clip pour essayer de vous montrer qu'on peut faire des clips. Voilà, je vais poster ça la semaine prochaine, vous allez voir ça. Voilà, mais aujourd'hui c'est la vidéo comme promis, faire un montage sur KineMaster. Moi j'espère une chose, que vous avez regardé les trois vidéos de formation que j'ai mis, que j'ai détaillé comment configurer KineMaster, comprendre KineMaster et comprendre un peu le montage de KineMaster. Cette fois-ci, on va aller droit au but. Cette fois-ci, on va commencer à entrer dans la pratique. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est comment faire montage. Voilà. Donc j'ai une vidéo, une vidéo où j'ai filmé en plusieurs plans une personne, un rappeur. Voilà. Et on était chez lui. Donc on va ensemble faire le montage. Je vais vous montrer comment monter. Voilà, ça c'est déjà la base et j'espère que vous allez apprécier. Donc en profiter au maximum pour ouvrir grandement les yeux et les oreilles pour voir comment ça se passe. Voilà, voilà, nous sommes maintenant dans KineMaster. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Média. Regardez là où il y a le cercle. Voilà, Média, c'est là qu'on exporte nos vidéos. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Je vais exporter, comme je vous l'ai dit, la toute première vidéo. Alors regardez, voilà, voilà. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. D'abord, quand vous filmez, vous avez fini de filmer les différents types de plans, faites très attention. Il faut ranger tel que tu as filmé. Si tu as commencé par la tête jusqu'au pied, ne dérange pas, ne change pas l'ordre. Ok. Donc, vous voyez, les vidéos sont rangées. Je vais réduire avec mes deux doigts. Mes deux doigts. Bon, je peux prendre un seul, c'est pas grave. Juste en bas. Vous voyez. Je peux cliquer ici. Voilà. Pour bien voir. Pour bien voir. C'est très important. Voilà. Donc, je vais d'abord lire. C'est tout. C'est très important. Il faut lire pour voir. Déjà l'idée. Aie déjà l'idée de la vidéo dans la tête quand tu lis. Tu comprends en même temps ce que tu dois enlever, ce que tu dois ôter. Ça va dépendre si tu fais un montage avec un son. Ça va dépendre. Mais bon, d'abord, allons-y, c'est parti. Voilà, c'est important. Maintenant, qu'est-ce que moi je veux montrer? Qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que mon personnage a marché de là où il y a les habits, jusqu'à au portail. Pendant qu'il est en train de marcher, je veux montrer des détails au téléspectateur, amuser ses yeux. Vous comprenez? Amuser ses yeux. Pendant qu'il marche, j'ai envie de montrer son téléphone. Pendant qu'il marche, j'ai envie de montrer ses pieds. Pendant qu'il marche, j'ai envie de montrer ses cheveux, sa culotte, tout ce que je veux.
Voilà. Donc, ça va dépendre de vous. Mais on reste dans la logique qu'il est en train de marcher pour partir. Voilà. C'est-à-dire, de temps en temps, il faut que tu reviennes, hein, sur la partie où il est en train de marcher. Voilà. Le reste est des...